Je dis à un mouvement qui était annoncé pour capable de prendre direction devant l'ambassade américaine Blaise. Eh ben, mouvement lui-même, lui déjà tombé. Et bam tout aller avec information droite, bam tout entrer dans information directe. Exactement. Et mouvement ça lui-même, lui tape dérapé dans le niveau Kafoua au port. Effectivement, c'est dans le niveau Kafoua au port, mouvement ça lui-même. Mesdames, messieurs, la famille, nous saluons tout le monde. Et nous disons un gros bonjour, gros bonsoir avec chaque grand monde qui a regardé la vidéo ça. Et sous son nouveau sous channel Zayo, Stand Up La Caïse en Haïti, soyez peuple haïtien ou pourquoi abonner avec channel nous, n'a invité sous vidéo ça même garder code avec maki, s'abonner, cliquer sur s'abonner, l'offre fin abonné, pas oublier cliquer sous petit cloche notification, retirer sous option personnalisée, voyez sous toutes pour recevoir toute information nous yo en notification. Alors mesdames et messieurs, n'a mon like tout, garder en bas vidéo ça pour un petit pouce tout, cliquer sous li ban like. Nous t'en remets ouais vidéo ça, li passé environ 1000 likes. Mesdames, messieurs, je vous dis à la, nous c'est combien nous c'est 18 février 2024, bagay la qui s'allie. Nous allons dire parce que nous là pour nous informer avec toute intégralité. Nous là pour nous informer de ce qui a passé dans le pays d'Haïti et sur la chaîne internationale. Mesdames, messieurs, population, vous envahi. Jean Abdoula, yo envahi ambassade américaine. De dit le matin, de dit c'est les cap compté pour population te quitté et champ de masse et Kafoua aéroport pour al frapper dans ambassade américaine parce que je population clé yo wè ki c'est États-Unis cap encourager premier ministre Ariel Henry rete dans pays a capable de supporter gouvernement de facto Ariel Henry, mesdames, messieurs. Eh bien, là, nous avons une population bien mobilisée, population piquée, aller ambassade, je dis à la, ambassade américaine, c'est gros chalet qui te gagné devant ambassade américaine, mesdames, messieurs. Si nous n'avons pas décidé vraiment pour prendre une dernière décision avec le premier ministre Ariel Henry, quoi me souvenez, population a lâché. Ou bien population a boulé ambassade américaine, mesdames, messieurs. Sous dossier, pays d'Haïti, côté que nous pas gagné vraiment yon gouvernement en place qui pour aider nous. Nous avons dernièrement là, Emily Prophète avec toute France LB a signé un contrat avec les États-Unis d'Amérique pour venir placer bureau yo dans pays d'Haïti. Côté que bureau ça, yo dit. Yo pral aller combattre gang dans pays d'Haïti et dans pays d'Haïti et sur la chaîne internationale faut me dire nous ça bien parce que faut que yo mette chaîne internationale là et en évidence pour yo ka montrer que yo pas vinn domino pour yo ka montrer que yo pas vinn voler richesse ou et bien yo dit que y a police nationale d'Haïti a mettre dans bureau ça tout mais Jean journaliste te dit là vraiment. On dirait que ouais bureau ça n'est pas venu faire dans pays d'Haïti, c'est un coup c'est FBI, c'est un poste FBI a venu faire dans pays d'Haïti. Et mesdames messieurs, nous gagnons quelques journalistes qui ont commenté sous dossier ça et qui pour faut comprendre bien situation ça et bien on a le temps de ensemble. Nous disons ça, n'a pas tourné encore. Haïti justice. Haïti est-elle en voie de devenir un petit état des États-Unis d'Amérique. Bon. Pour qui ça, en fait, te pointe ça sous table là? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un protocole d'entente entre Haïti et les États-Unis d'Amérique sous question justice, sous question criminalité. Et avant d'entrer dans le détail, nous ne pouvons peut-être pas... au courant de tout le contenu article, parce que l'article est en anglais, qui parlait justement donc de protocole ça qui signé entre l'État haïtien et les États-Unis d'Amérique. Laissez-moi vous donner lecture en français donc de cet article, madame, monsieur, de cette décision donc, prise par l'État haïtien pour concéder donc, aux États-Unis l'autorisation pour mettre là un comité, pour mettre là un. Y a une unité transnationale d'enquête criminelle. Ok? Bamba nous lecture là.
14 février 2024, Washington, D.C., partenariat et engagement. Homeland Security Investigation et le ministère de la Justice d'Haïti créent une unité d'enquête criminelle transnationale. Le directeur adjoint des opérations internationales du Homeland Security Investigation, HSI, des États-Unis d'Amérique, M. David G. McDiz, et le ministre et la ministre haïtienne de la Justice, Mme Emily Prophète 2006, ont signé un protocole de coopération au siège de HSI à Washington, D.C. le 13 février pour établir officiellement l'unité d'enquête criminelle transnationale d'Haïti, TCIU. Le mémorandum fournit le cadre des opérations du TCIU et détaille les responsabilités des deux parties. Le TCIU facilitera l'échange d'informations entre les partenaires chargés de l'application des lois aux États-Unis et en Haïti et renforcera les capacités d'Haïti et des États-Unis à s'enquêter et à poursuivre en justice les personnes impliquées dans des activités criminelles transnationales. Les TCUI sont un élément essentiel des efforts du HSI pour renforcer les capacités des pays partenaires et lutter contre les activités criminelles transnationales à la source, empêchant ainsi leur entrée aux États-Unis. La création du TCIU est un moment charnière dans nos efforts collectifs pour lutter contre la criminalité transnationale et garantir la sûreté et la sécurité de nos deux nations, a déclaré McDiz. Le sous-secrétaire adjoint chargé des affaires internationales de stupéfiants et d'application de la loi au département d'État, Chris Langberg, et les dirigeants de la police nationale haïtienne ont également assisté à la cérémonie de signature. Le programme transnational Criminal Investigative Unit, TCIU, de HSI collabore actuellement avec 17 pays. Les TCIU sont des unités multidisciplinaires composées d'agents chargés de l'application des lois étrangères, de procureurs et d'agents des douanes, de l'immigration et du renseignement qui partagent des informations et des activités opérationnelles. Les TCIU fournissent un soutien opérationnel au personnel HSI dans les postes étrangers qui ne possèdent pas d'autorité chargée de l'application de la loi dans leur pays d'accueil. Grâce à ce partenariat, HSI et TCIU travaillent ensemble pour développer et étendre les enquêtes à l'étranger conformément aux lois, accords, traités et politiques des missions américaines du pays hôte. Au cours de l'année 2023, les équipes du TCIU ont procédé à 2973 arrestations criminelles et saisies plus de 232 218 livres de stupéfiants et de précurseurs chimiques illégaux. Ils ont saisi 484 armes à feu, 42 957 cartouches, 5 363 299 $ en monnaie américaine. 10 946 905 $ en produits contrefaits, 25 858 760 $ en marchandises générales saisies, 10 839 000 $ en biens immobiliers saisis et 441 720 $ en monnaie virtuelle et en actifs saisis. En tant que principale composante de quête du département américain de la sécurité intérieure, DHS, Homeland Security Investigation est chargé d'enquêter sur la criminalité transnationale en collaboration avec ses partenaires aux États-Unis et à l'étranger. Les agents spéciaux du HSI développent des preuves pour identifier et faire progresser les affaires pénales contre les organisations criminelles transnationales, TCO, les réseaux et facilitateurs terroristes et d'autres éléments criminels qui menacent la patrie. C'est ça, madame, monsieur. La traduction de l'article, donc, de protocole qui signe, et avant-hier, permettant à toutes, Esaïe César, entre l'État haïtien et Homeland Security
investigation donc les États-Unis. Donc un protocole qui tient là entre les États-Unis et Haïti dans la question de justice. Donc pour mettre sous pied, non, pour mettre sous pied, il y a une unité. Et c'est Haïti, unité transnationale. C'est comme si Nagado que FBI a bien un bureau officiellement en Haïti. Yeah. OK, il y a une unité OK transnationale d'enquête criminelle. Donc il y a là, il y a changé information avec les États-Unis également avec Haïti. Et madame monsieur, nous même qui avons toujours parlé de mais quelle est bonne minute. Nous même qui toujours parlé. Attendez, nous même toujours parlé de mais quelle est bonne minute. Tu as parlé que États-Unis va prendre responsabilité. Bon voilà, États-Unis prend responsabilité. Et je dis à ben la donne. N'a été tête lui. Maintenant je dis à madame monsieur, Haïti vignon tant qu'un entier état. Parce que justice Haïti actuellement là, il dépend des États-Unis. D'ailleurs, ils ont fait passer instruction là à la justice haïtienne pour dégager au sorti réquisitoire définitif là, dégager au sorti ordonnance. Correct. Je dis juge Walter, dégage. Correct. Yo rien connu là, on dit je dis monsieur, sous pas sorti bah là m'a coupé vision. Non, à partir de protocole ça tout va fini. Elle dit justice pays a connu pas dans main Haïti dans main États-Unis d'Amérique. Parce que pas oublier que préval de gagner un protocole déjà avec les États-Unis sur question drogue. Mais tout ça, on est venu en Haïti dans la question de l'eau. Il n'a pas dit dans le protocole là, non? Il n'a pas dit dans le protocole là, madame, monsieur. On est venu là, pas arrêté mon sous place. Il n'a pas dit dans le protocole là. Ouais. C'est la justice haïtienne qui vous livre, ok? À États-Unis, moun que l'estime qui est dans la question de l'eau. Qui est en contravention. Okay? Mais l'eau est bas ça, au fait. Dites que vous êtes droit négo dans ça qui fait là dans ça qui écrit là et puis mais il prend tout ton point il prend l'angel il prend tout ton point madame monsieur vous avez dit que je dis là go côté li ka Haïti la Haïti li ka faire négo ici pour mais comme négo ici pourquoi ça comme négo ici pas j'aime bon leçon ah vous voulez dire négo qui est blanc yo ne pas négo négo qui n'a fait criminel non ok criminalité dans pays ok négo qui n'a pas fait examen négo qui a financé gang. Nous on est cap crasé qui a fait nèg prend mèo. Ça qu'a fait nèg prend mèo. Même avec sanction yo foncé les nèg correct prend mèo. Li ka bon, OK? Maintenant c'est qui ça Haïti a bénéficié de lui, ça très important. OK? Et puis deuxièmement, on doit garder le côté légal de la question. Et c'est là le problème. Et c'est là que m'a parlé avec Maître Caleb. Maître Caleb Jean-Baptiste. Parce que madame monsieur écoutez. Jodia, bon fin de Maître Caleb pour nous parler parce que moi c'est ça très important. Okay, c'est le côté légal. Le côté légal de la question. Préférons faire ça. On allez. Maître Caleb Jean-Baptiste, bienvenue à l'émission Matin Débat. Comment vous? Pour le côté du peuple haïtien, moi saluer ancien député bien matin à toutes. Moi saluer Isaïe César, vieux frère nous, et qui bataille. Dans un niveau extraordinaire vous écoutez, de Haïti dans sa là. Moi salue tout mon bloc avocat engagé et qui campé avec qui toujours campé avec malgré pression persécution mais je toujours dit et on va camper au campé jom pour vraiment les gars pas faire ça on va faire bon, c'est avec un pile tristesse jodia on va intervenir. Et côté que les États-Unis d'Amérique et pensent que Yoka prend des monde jodi en Haïti pour faire signer des bagages tête en bas avec eux sous prétexte que Moussa va être engagé l'État haïtien des bagages tête en bas ça yo anti peuple ça yo yo pral ka vraiment gain conséquences sous moi. Sous où nous conçoit du pays, soit du petit. Un clavo. Nous quoi dit clair. Allô? Oui, ou là, on met pas le même. Mais ça, il est très clair. Constitution, il est clair. Regardez la constitution haïtienne. Il est clair. Il parle de trois pouvoirs. Et il a parlé de trois pouvoirs. Soit l'article 58 constitution. Haïtienne de 1987 amendé, il parle de souveraineté nationale. La. Et il dit souveraineté nationale, la, il exerce, ça va dire bien, oui, bien. La souveraineté nationale est exercée par trois pouvoirs. Bien. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif
le pouvoir judiciaire. Et constituant, yo te dit ça, la constitution, c'est juste pour le président, le premier ministre, pas qu'à vendre pays. Constituant, yo te dit tout, c'est juste pour le parlement, hein? Pas qu'à vendre pays. Yo te dit tout, c'est juste pour pouvoir le pouvoir judiciaire, pas qu'à vendre pays. C'est juste pour te protéger le pays, protéger souveraineté nationale, nous. Ouais, vous avez dit que souveraineté nationale là, c'est trois moun sa yo qui ka exercé le CO3. Eh bien, nan même on dit de ça, après que constitution, li ba chaque moun pouvoir pa yo. Et comme si nous t'apprêt à le Montesquieu, l'état dit le pouvoir, arrête le pouvoir. Après chaque côté yon moun gon pouvoir, gon l'autre nan pouvoir sa ou ki ka kampel, gon l'autre ki gon l'autre pouvoir. Après comme si tout ça vous fait fort gagner yon consensus entre les trois pouvoirs. Très bien. Nous-mêmes, moi ouais madame ça, qui est le tête li madame Emily Prophète Milsea, ils sont nuls. Yon archi nuls. Nous en bakon bali kwa vous dit je suis vraiment énervé, excité, indigné. Qui c'est un archi nul qui dit que c'est avocat et nous connaît qui n'a pas un petit grave. Mais profiter dit que n'a préparé un plainte pour la porter formellement contre n'a pas un petit grave. Parce que nous-mêmes, en tant que nous qui respectons l'institution, nous connaissons ces institutions de 18 barreaux, 18 juridictions, comme madame ça. Li nan ba ou petit gwav, en attendant nous même nous va faire ça la loi dit nous faire exact, nous va porter plainte pour lui administrativement nan ba ou petit gwav et les sabatonia et conseil discipline petit gwav là a gagner propre responsabilité yo. Pour les madame ça, tu me fais gagote la faire là yo pour pas carrer inscrit au tableau de l'ordre de ba ou de petit gwav parce que lui fait payer à trop. Là pas avancer. Nous connaissons clairement Monsieur Louko Désir, journaliste expérimenté, Esaïe, journaliste expérimenté, député bien matin à tout. Yo dit clairement, attendez, oui. Tout, ma boîte est claire, oui. Parce que tout ça nous dit nous-mêmes, pour nous dire, c'est inventé, la présenté. Là, on est dans l'article 139 Constitution, 1987, à Mandéa, mandé tout étudiant, capteur de gros émissions, ça, pour nous prendre plus mieux, tout avocat, pour prendre plus mieux. Regardez l'attribution, président. On va même parler de monsieur ça, non? Parce que ce monsieur, lui pas président, son monsieur qui pas gagné, son monsieur qui de facto il a. Ma parole, même s'il s'agit de président, même si c'est ton président qui est dans l'élection, qui élit, des bagailles, il pas d'un café. Parce que, article 139 là, constitution, elle est clé. Bon, je ça le dit, Louko. Il dit le président négocie et signe tous les traités, conventions et accords internationaux et les soumet à la ratification de, la, voyez, de l'Assemblée nationale. Bien, vous comprenez ce que ça veut dire? Article 39, là, oui, qui dit ça? Constitution. Même si président, président, oui, même si on président, oui. Les négociés traités, conventions, accords, quelque chose à l'aïe, accords internationaux, traités internationaux, conventions, etc. Les négociés, les signés, et, ça dit oui, ça le fait, les soumettre à l'Assemblée nationale pour ratification. Et pas oublier, le président, je ne parle pas de M. Sano, pas qui fait ce pouvoir, je parle au président élu, oui. Au président élu qui est tout contre de savoir que vous, M. Sano, qui n'a ni droit ni qualité, oui. Et je ne parle pas de la et puis au premier, au ministre de la justice, qui c'est où? Mais qu'est-ce qu'il y a, Tobila? Comment ça ne peut pas engager l'État, honnêtement? Il ne peut pas engager l'État. Son bagage, il a tout fait, il a jeté dans la poubelle. Même pas. Souvent, il y a une monnaie.
m'ba qui Jean et à moins que pas oublier que à moins que nous pas aller vers une dictature et que monsieur Ariel Henry a été là pour au moins 10 ans 20 ans encore. Ariel Henry pas qu'à faire loukou. Président de la République même s'il était élu pas qu'à faire loukou. Oui, c'est vrai. Même le président de la République pas qu'à faire loukou. Oui, c'est vrai. C'est de oui. L'approbation du parlement. C'est l'approbation du parlement de l'Assemblée nationale. Pas même nous chambre des députés, pas même nous chambre non. Pas même Sénat, non, pas même chambre des députés, non. Même quoi États-Unis comme ça, tout comment fait ça? Ah, yon pense que mon analyse cache figure pour visa pour l'autre bagaille. Yon pense, nous même petit Jean-Jacques Dessalines, nous qu'on a chef figure nègre. Nous qu'on a chef figure moun, nous qu'on a quitté au fond pays à bas comme ça là. Et le kounya là, une bonne baille pour ça, rapide dans les jours qui viennent. Tenez, le kounya là, le président a fait ça, lui soumettre lui avec l'Assemblée nationale là. Et l'Assemblée nationale là, lui gagne pour regarder si bagaille son président est si bon, laisse le ratifier. Et le fin ratifier, il t'a tourné le président, t'a promulgué, et c'est le ça, il t'a rentré en application. Est-ce qu'on bien comprend ça, okay, m'a dit là? Clair. Ça veut dire, même si le président de la République là, qui signe un accord, un traité, un quelque chose international, faut qu'il t'a soumettre avec l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale qui formée par le Sénat et la Chambre des députés. Et pour l'Assemblée nationale, lui-même s'il estime que son bagage était un pays, parce que c'est représentant pays, parce que c'est le peuple qui a voté, laisse ça, il t'a gratifié, et il t'a tourné dans le président, le président lui-même, laisse ça, il t'a promulgué, laisse ça, il t'a utilisé. Très bien. Mais pour ça, nous t'entendons, madame ça, Jules ça, le savet ça, corrompu ça, territoire perdu ça, j'ai pas dit territoire perdu ça. Nous t'entendons, le sié, il dit qu'il a engagé l'État ici, il a engagé la Kaili ou il a engagé Haïti. Nous-mêmes, nous clair, nous déjà en concertation, nous prenons pour ça devant le ministère. Et toute madame ça va quitter le ministère, bah nous, la touyer nous comme avocat devant ministère, la touyer nous comme dirigeant devant ministère, parce que nous ne pouvons pas accepter une incompétence nulle pour ça, rester à projet l'argent de l'État. Oui, mais c'est un bon temps que ça fait la fête net. Non, il va attendez, Louko. Oui, malement. Louko. Oui, mlamla. Ça, il te dit, il fait pour madame, non, avec mon qui s'y en avec lui. Haïti pas au savon, mon cher. Haïti pour constitution, mon cher. Très bien. Ça fait la souba qui nul et non aveni. Souba d'aïe monnaie. Pas de pièce. Monde qui a mis en application en Haïti. Parce que il pas respecté un homme. Bon, bah là tellement. Mais la l'aide. Il est tellement l'aide, Louko. Esaïe, auditoire, maté débat. Président Bakafel, nous pas qu'il président. Premier ministre, Assemblée des ministres, Conseil des ministres, beaucoup d'accord, nous sommes capables de Conseil des ministres, Conseil des ministres, nous pas qu'il président, parce qu'il faut que le monde, il y a un tchoul, que les têtes du ministre de justice, un tchoul, qui pas même colline de l'Ekmebao, on va le porter plein de colline en bas, pensez qu'il a engagé l'État. Qui l'État? Pourquoi qui donne j'explique ce bail ça là? Si c'est un bagage qui t'est appliqué, comment ça va faire? Depuis c'est haïtien qui t'a parlé États-Unis mal. Depuis c'est haïtien qui t'a dit les États-Unis pas qu'à venir voler sous son nous là, mine nous, loin nous, diamant nous, et t'a dit qu'on a un crime prestationnel au final de tout là. Maître Caleb. Oui. Permette-moi ensemble avec vous faire une considération. Vous d'accord? Correct. Sans problème. Ok. Dans son parlementaire qui peut parler là. En 2018, le mouvement Coupe du Monde là, ou appelé mouvement bloqué pays acte fait en 2018 contre le président Jovenel. Ou appelé ça? Bien sûr, l'hôtel, bien sûr. Oui, maintenant, qui s'est passé? États-Unis ou bien, bon, dit Nations Unies, depuis
yo retourné avec président Aristide, yo installé dans le pays. Après le monde pas de comprendre. Depuis été retourné avec président Aristide là pour sous l'égide Nations Unies. Nations Unies chita avec président Jovenel. Yo font réflexion de faiblesse président Jovenel. Et vous montrez président Jovenel carrément les papes kakembe pour gens opposition atteye bloquer pays à sous lui. Maintenant, yo mande président Jovenel pour aider kembe faut que si yon résolution côté que pour la première fois président de la République accepte que l'a dirige pays a pour garantir mandat là, l'a dirige pays avec Nations Unies. Et ces derniers gros résolutions ça, nous même dans la tête de ba nous te fait au moins n'a défriché résolution ça. Et jusqu'à présent, pas gain un article qui exécuté là-dedans. Mais attention, puisque c'est eux deux président avec Nations Unies pour la première fois officiellement, c'est eux qui ont dirigé pays hein? Président assassiné. Donc pays a été dans les Nations Unies. Mais maintenant considération. Puisque pays a se nommé Nations Unies lié depuis signature président légal, est-ce que tout ça pas permettre ou bien pas profiter de ça pour faire ça ou faire là?